À tous, bon kamati liboka kolanda biso partout à travers le monde. Mbote nabino ba landinyo soya pona Congo toza nabino elongo pona kobeta masolo ma matali e kolona biso lobi moleki to celebra kibongo 64 ya indépendance ya mboka na biso jour pour jour le Congo eza kozwa age pe maturité en terme ya gestion na ngolo to rozonye la gestion ya mboka Congo na mozindo penza mokolela monabino nyonso na kati tope na libanda ya mboka bana Congo et na occasion ana ya fête ya indépendance célébrée hier na étendue démocratique du Congo ndenge na lobaki yango na discours na ye na nation tata mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi a rassuré que nyonso ezwami to nyonso ezali en œuvre pour na ko rétablir sécurité pe protéger ba concitoyens congolais et à la veille tata mokambi ekolo ayebaki bongo kosalisa likita monene ya conseil supérieur de la défense élargie wabisika ba instruction epesamaki claire mpona ko récupérer ba zone oyo ekoyaki na maboko ya banguna et na ngambo na ye na même registre ndeko Martin Fayulu alobaki pe lobi moleki na cadre ya 64e anniversaire ya mboka na biso na discours na ye alobaki boye na tanga yango ndeko Félix Tshisekedi azwi kosala preuve ya indifférence coupable ya koabandonaka to kotikaka na triste sort na bango population ya mboka Congo atalisi ke ezali irresponsabilité oyo ezali bongo kopesa makasi na banguna ya mboka Congo notamment na Paul Kagame. To rappele ke weekend eleki mwambutu mbutu ezalaki sur terrain wapi bisika quelques localités et les cas qui n'ont pas beaucoup, il y a Banguna, Kasi, FARDC, basé sur terrain, Kosa, la Nyon, Sopona, qu'on récupère, non seulement, bah, localité, mais qu'on Bengana, puis Banguna, na territoire national, tous la Kinshasa, la Lombango, Wapisika, Daniel Bumba, Péjac, Kaboula, ko Bako, Yambama. Lelo na VPM intérieur gouverneur ya Kinshasa pe ya Okatanga bango ba kosola na malikambo etali bongo non respect ya mibeko to pe ba texte na konomaka ba commissaire généraux ezali prévu na mobeko likondite et na maema tali justice ya mboka na biso alors que ba ko akize na ba se retrouver na prison centrale ya makala ministre ex-ministre et à finance, pe député national Nicolas Kazadi, Azwaki avion topé pour lobby moleki, wapibisika akei pour naba soin de santé, na libanda yambo kayango et créé moi polémique mingi na opinion. Pourquoi nous allons essayer de reprendre à cette question, mais selon ba proche na ye obasali ko rassurer kende ko Nicolas Kazadi ya kozala namboka Congo dans deux semaines, soit le 15 juillet prochain à kende ma kambo etali nzoto na ye ezonga na kolongono ndenge esengeli azobela nini pourquoi bimi alors que azalaki bongo na audition récemment azalaki auditionné na kuakize mosusu ba se retrouvé na prison centrale ya makala est injustice ndenge batu nyonso bazoloba toza bongo na maître Jean Pingalula azali juriste pe moko il y a ma personnalité politique proche de l'opposition mon ambo kambo tepe boye voilà. Mbote na yo mama Naomi en tout cas na sepeli mingi mpambate na ebisaka yo ete na sepelaka mingi tango bengisaka ngai mpambate yo oyekola pe omona ete moko atikali na moto malamo oyo esengeli kososolisa bayimbo kanantine etali politique ya RDC etikali ngai mpambate bakobenga ngai l'intelligence de la nation et le cerveau d'état tokososolisa na oyo etalinazokoservante te parce que nous avons la maîtrise de la politique ainsi que la maîtrise du domaine que nous avons fait à l'université qui est les droits. Déjà, pourquoi ça choque de part rien de Nicolas Kazadi alors que interpellation bino bolobaka yango ezali exception pe liberté ya moto ezali o esengeli ezala pourquoi départ yande ko Nicolas Kazadi pona ba soin approprié ezali ko choquer opinion
Mama na yoki mote mapasi mingi. Régime ozoko kamba biso, régime abisengo na bisengo, régime a fete na feti, régime ya corruption, régime oye esali détournement mode de gestion, bako kreya kaba activité, bako kreya kaba programme, population yoko sepela. Nzoke zali kopi yako ibela na ngombongo na RDC. Je suis en train de vous dire. Laissez, c'est le régime mama. Tikanga ina lo bayango, c'est le régime. Je dis bien, c'est le régime qui est en place, qui nous gère, qui crée des projets, visiblement comme ça, un projet normal pour l'intérêt de la nation, mais qu'en réalité, c'est un projet pour un bon détournement habillé en projet. Maman, et c'est l'immoté, ma passe, des poids, des mesures, qui crée maintenant la maladie de notre justice. Est-ce que c'est le magistrat suprême qui est le chef de l'État? Ou ce sont les animateurs des institutions judiciaires et même, ou encore que la justice a perdu ce qu'on appelle la qualité la plus importante de la justice, c'est la répression. Ou soit notre justice a perdu alors la répression. Comment expliquer Nicolas Kazadi a voyagé? Maman, pas si na motema, ça sert à rien. Na koloba, batika na bango, dossier mo tika na batika na bango. Parce que ça sert plus à rien. Mais Je ne sais pas si tu es un maman. 50 ans à traiter te, maman yembo à traiter te, diamant à reste à baeni, et que ça le côté à traiter te, nécessairement voyager que n'est qu'à poto. Bon, malade yango, banda to banda malade ya Nicolas Kazadi, mon anate, et mon ami juste après audition à yé, maman, deux poids, deux mesures. Robota azali ministre yanin, ya développement rural. Mais nani mobimisi mbongo? Comment botiki moto abimisa kimbongo, boke kanga moto ba pesa kimbongo? Alors que moto justice azali na est très important ezali moto oyo abimisa kimbongo yende justice azali ne bosenga yenda ko sosolisa justice alors que bako sambisa biso toyebite yango na yebisio boy na yebisi président de la république na biso chef de l'état est ce ko la nangai le pouvoir passera mais toi tu vas rester en vie. Attention, chef de l'État. Si quand on répond à mon tour dans l'engagement, nous répondons. Qu'est-ce qu'on a fait? Tant que moto a sambi et que basu suba kangi, basu suba tiki, et la qui signe, le col à moto mobile. Et la qui s'y était, batala ka degré ya participation ya moto, n'est-ce pas? Tant que bako sambi sa moto, batala ka oh nani a salini ni, nani a salini. Ce qui batali na moment autre, c'est la phase des enquêtes. Babenga rayango phase préjudicielle. Na phase oyo batika ka moto te. Surtout pour des faits graves tels que le détournement. Parce qu'il faut savoir que Nicolas Kazadi a causé la paix poursuivie pour une haute trahison. Quand vous lisez l'article, je crois, 54 ou 57 de la Constitution, dans ces environs de 50, vous allez voir que on condamne Moto Oyo, ma petit charge à l'État à bousier, à Salambon, à l'État, ma voix, à Obango Basali, il est poursuivable à la hauteur du haute trahison. Mais maintenant, ici, comment pour des faits si très graves comme ça, batikaye abima. Il y a un peu de temps, tu n'as pas de temps. Bon, robot a zo kimbongo te. Mouto bimisa kimbongo ezaye. Bon, procureur a zo pe sa biso sikawa. Garantie ni nike a ko zonga. Bon, sikawa soki a zongite. Et puis, plus grande question que tozo mituna. Donc, ba politicien ba bela ka soki ba bandi ko lande la bonne justice. Ezaka ya ba union sacrée. Mais Mike Mukeba ya zana prison banda kenda. Abeli a outu ko bike la kakuna. Kulu tunanga na pe shombo te siko zali. Jamar Kabund, abeli a zaka kakuna. Bon, collègue na yon seya. We lende loko la yon seya. Abeli azaka kakuna. Mais nenge nini bango kaka soki ba beli. Non, mbango bakeyi. Biso totali si ete, faiblesse ya justice na biso, to justice na biso ko sala musala ma be, pamba te régime oyo azali na ba interférence, azali na ba injonction, na kati na yango. Merci. Yende azoko boma justice na biso. Merci beaucoup, mon amboka, tozala ndeko Jean Mubenga, moko ya bayi, proche ya pouvoir, ou ya soutenara toujours vision ya tata Mukambi Ekolo, ndeko mbo tepe boye bola. Mbote ndeko Naomi pour na invitation, mbote pour na ndeko otuzali na yena plateau.
Mbote na balandi nyonso ya Congo Buzz Television esengo mingi ya kozala susu na plateau Matondo mingi mwana mboka nini zo sala yo tango zo yoka kwa Linga na nae bongi ya ikomo bonga Ndere bazo akize regime en place détourneur pe bon na bongo ndeko Nicolas Kazadio abimi est-ce qu'il faut craindre sa fuite akende libera pe azo ngate dossier etika la kabwe paza moko ya bino ba ya libanda wa yaki kopesa mayele na si ma ba akize na makambo ebele Mama Naomi makambo libanda na kati za tete za ba congolais soki mutu azali na responsabilité ba charge à l'état il faut asala oyo baza kozela asala donc situation oyo il y a sorti à Nicolas Kazadi, ils allaient situation où ils allaient à niveau il y a justice. Ils ont un niveau il y a bisoté qu'on s'agitait d'engager dans un monde de qu'on a un juriste à s'agiter déjà dans un drapeau. Dans ce pays-là, même dans un monde à drapeau, mais bon, ça c'est le patriotisme. Mais au-delà de ça, on ne doit pas aller dans les sentiments. Ou tout n'est question. Oui, bah, qu'est-ce qu'il va en union sur baki kusamba oyo bakoti na boloko oyo batikiye akende bakangiete azongi na ndako me asengi ke akende okinzoto pas akende ko kutala munganga eza mabete nini l'accès sote ke linga kima parce que instruction eza en cours fala kutala kuna na juge na elo bi nani bozaka bo kendaka kote a mabe ozaka na makanisa mabe moto wana azali. C'est un père de famille. C'est un responsable. Il était ministre des Finances. Nakati a lissolo au Union Soyoki a détournement. C'est vrai que yende azaki mutu abimisa kimbong. Ezara mbong wanate. Il y a des millions de projets qui tombent sur sa table. Au Zosenga ke apé sambong. So monike likambo songolo likambo pakalezo koka abimisa mbong. Akubimisa. Lui n'est pas là pour il n'est pas expert de forage, il n'est pas ce dossier-là et banda kutu époque à Kabila. Naba ministre mususu bazaka avant ba sele ya lagulu naba mususu bazalaka. Ba on ba banaki déjà bazaki déjà pour des caisses bon. Il y a eu comment na période na a continuer dans le projet moko moko na. À l'époque au Kabila zalaka, à l'époque avant Yaza. Est-ce que ba forage salama mbongo ebimaka ba lobaka ezaka détournement. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on cherche à aggraver la situation? Parce que c'est Tshisekedi qu'on veut noyer. Vous comprenez? Ce dossier-là n'a pas commencé avec Nicolas. Ça a commencé un peu il y a longtemps. C'est un projet d'à peu près 1000 forages. Et ça, nous avons dédouané y était. Nous n'allons pas dans les sentimentales. Nicolas Kazadi était ministre des Finances. Quelle est sa responsabilité? C'est d'avoir sorti l'argent. Il faut qu'on puisse regarder maintenant tout l'argent qu'il a sorti pour tous les dossiers du Congo. Pour qu'on commence à les juger dossier par dossier. Où on voit la destination de l'argent. Qui a reçu l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Si aujourd'hui vous êtes caissier chez moi, je donne l'ordre, je dis mon frère maître va venir prendre l'argent. Vous prenez l'argent, vous lui donnez. Maître ne va pas faire le travail pour lequel il avait demandé l'argent. Quelle est ta responsabilité? C'est d'avoir sorti l'argent ou d'avoir vu que le montant était gros? Parce que Nicolas est expert en finance, il n'est pas expert en forage. Pour commencer à regarder dedans, pour tout ça. Mais tout ça, c'est la justice qui va déterminer. Il dit lors de sa sortie médiatique que Mosolezaki est belé mingi. Mosolezaki est belé et bimaki. L'argent est sorti. Vous ne regardez pas là où l'argent est parti. Comment vous regardez celui qui a donné l'argent? Quel est le vrai problème? Si vous voyez que les juges ont envoyé ces messieurs-là en prison, c'est parce que c'est eux qui ont reçu l'argent. Ils doivent dire maintenant. Où est passé l'argent? Pourquoi avoir demandé autant d'argent pour des forages qui n'ont jamais été, je ne sais pas, exécutés? Et pourquoi avoir demandé ces montants-là? Pendant que les forages pouvaient se faire à 8 000 $, 10 000 $, vous demandez plus de 300 000 $. L'argent-là est où? Est-ce que l'argent existe? Est-ce que vous pouvez remettre l'argent? Parce qu'on a trouvé que
tout ce que vous pouvez expliquer, non? On voulait faire les forages avec, je sais pas... Station d'eau. Station d'eau et tout ce qu'ils ont dit là. On a trouvé que ce n'est pas vrai. Le mieux à faire, c'est prendre l'argent, remettre à l'État. S'ils ne peuvent pas remettre à l'État, c'est pourquoi ils sont allés en prison. Nicolas a sorti l'argent, c'est vrai. Et il reviendra pour expliquer comment cela s'est fait, parce qu'on dit que c'est un mot d'urgence. Mm-hmm. Quelle était l'urgence et pourquoi il avait agi comme mais, ça. Mais qu'est-ce qui vous rassure que Nicolas Kazadi dit à Kozonga? Non, à Kozonga, maman. À Kozonga. Mon amboka, famille n'est allée à Kéinde pour n'avoir soin à Kozonga. Tout ça a la place à Nicolas pour Azongina noté. A outre aucun des lobbies. Alors, comment déjà nous concluons que Azongina te? Il y a un lobby qui est, n'a pas bien été, de quoi lobby pour les gars, tant que tu as une sacré, ce qui va kangi, ce qui a un problème, des maladies. Mais de quoi ça, médecin, il y a Nicolas qui a été pour aller que Nicolas Belaka, toi Belaka te. Et tant que Kendaka, Abeta, tant que tu es dans la télévision pour dire. Je suis ministre des Finances, maintenant je pars au Japon, je vais un peu me faire soigner. Tu es bien au Sropo, Azan a problème. Mais entre parenthèses, l'hôpital est à Malonga, l'hôpital est à Malonga, les alités, il y a un peu de pouvoir, il y a un se faire soigner. Maman, le Kambo est à santé à Motoko, déterminé, tu es ce qui est médecin, tu es malade, tu es malade. Ah, c'est ça le problème. Tu es déterminé, tu es. Pour les malaria, à quoi qu'on doit soigner? Non, maman, il n'y a pas de soigner. Mais ceux qui ont soigné la malaria, tout le temps, il y a maladie ou il y a compliqué dans le plateau. Tu es bien goûté. Nous ne savons pas. C'est le juge qui a apprécié, donc le procureur qui a apprécié, qui a trouvé que bon, voilà, qu'on doit, mais l'audience, il y a des malades, il y a dans des semaines, très bien. Merci beaucoup, Moramboka. Il faut qu'on soit bon correspondant si le ministre de la Justice n'est que Constant Mutamba ou Alobi Azola Ndela de près. Dossier Wana et Nyon Soiko Sarema Ndenge et Longo Bani Salomi Beko. Et il y a un autre dossier na justice, au fait au Mandanango, parce que ça bouillonne sur la toile. Documentaire sur Moko, il y a un gestionnaire, il y a un beau cannabis, Moko, il y a un bayo, il y a un Mokambiko, il y a un bête, il y a un temps, il y a un au azo bondissa bongo corruption pe ba détournement tango bo monaki yango makantina bino za ki nini maître on a bi ko rebondir mais dossier Gilles Alenguette au bazako bazako akize ko za de mèche na bayo basali ko frauder na kombo ya bon entreprise na. Merci beaucoup maman Naomi et kulutu na ngai sur ce plateau auti ko sala bo sambulu monene. Yambona tondola na mokonzo ayo tikana ya nola ye pamba te awuti ko bimisa ke chef de l'état zali na kati ya dossier oyo alobi yango ye alobi yango alobi boyi yo kangai na moni kulutu ali na maîtrise mingi te sur la loi sur le finance la loi sur le finance publique alobi boyi alobi Nicolas Kazadi c'est un exécutant azupenda kisana yo alobi yo ba yebisho bimisa ka mbongo. Mbongo wana eske yo kotala eza lebele za la muke musala na okaka beko kobimisa. Mena rappele ye ale lire la loi. Tout décaissement en procédure d'urgence n'obéit que au cutus du chef de l'État. Alors si il le dit, donc c'est le chef de l'État qui avait donné l'ordre. Tout décaissement, ya mbongo ya l'État en procédure d'urgence n'obtient que le cutus du chef de l'État. Ce qui est en côté, bon, on va. Ce qui est en côté, ce qui est ordre, c'est que l'ordre n'est pas le chef de l'État. Mais vieille, yokanan mouke. En procédure, pour bon, on procédure d'urgence. Allez lire la loi, c'est l'article, je crois, 47 ou 47, 43, je crois, il y a la loi sur passation des marchés publics. Lorsque vous lisez dans cette loi-là, nulle part on a dit, parmi les matières qui peuvent faire l'objet de sorties d'argent pour se dire d'urgence, et ça lui m'a dit sécurité, et ça lui m'a dit défense, n'a pas urgence, oyo, et ça simba na fonctionnement yamboka. Où était, est-ce que, en vertu de cet article-là, vous trouvez les lampadaires où? Vous trouvez les forages où? Or, cette loi-là, c'est une loi, c'est la loi mère qui fait le fonctionnement du finance en République démocratique du Congo. Est-ce que Nicolas Tangaki en auto Tangaki te wane loko ya liboso yami balé kulutu foye ba été infraction ya détournement c'est une infraction qui se fait par de hautes personnalités
les influenceurs d'un très haut niveau. Bato ban influence ma casse na République. Et c'est une infraction intellectuelle. Muto zo ba kosala ya rote. Ici, ils sont poursuivis en association de malfaiteurs, en participation criminelle. Yozo bimisambo, yo lobi ke yazalaki na akobimisaka. Mais yemoko Nicolas lobi balobaki na ngai lampadaire ezalaki 5000. Ngana moni lampadaire 1500. Mais bango ba tienga musuku ba tienga pression ndene ko bimisango na 5000. Comment il a pu vérifier? Allez lire les attributions du ministre de la des finances. Il a l'obligation de regarder et de vérifier où l'argent va et l'argent va faire quoi. Il en a l'obligation dans ses attributions. Mais comment vous voulez les dédouaner? Non, c'est ça. Vous avez bien dit. L'argent va où pour faire quoi? Mais il doit vérifier, il doit se rassurer. Il doit se rassurer, il ne peut pas laisser l'argent, il sort comme ça. Et puis, trouvez-vous normal qu'on les laisse partir? Je vous rassure. On l'a pas laissé partir. Il est parti. Il est où? Non, il est malade. Mais est-ce qu'on l'a dit, une déclaration à ministre de la Justice? Ministre de la Justice, le Biba Rolandela. Est-ce que il faut savoir ceci. Lorsque le droit entre, la politique entre là où il y a les droits sortent. Je vous dis que Costa Mutamba ne fera rien à Nicolas Kazadi. Oh là là. Je vous dis. Mais laissez-moi parler. Vous ne voulez pas. En tout cas, permettez que je sois étonné que c'est pour ma première fois. Vous êtes un juriste. Non, allez, je suis en train de dire l'image que cela a donnée. Ça montre à suffisance que le ministre de la Justice a kokoka dossier au yoté. Et puis, à Mekadi Kotia Moutounaye, il est parti. Parce qu'on ne vous dit pas qu'il y a eu... Non, attendez, je suis politicien, je vous dis. Qu'on ne vous dit pas ce qui est passé à l'aéroport. Il a été interdit. Les forces de sécurité ont résisté, on a dit, au convoi à jeter. Bah, tel est mes liés. Alors que ma proche n'a pas besoin de ma queue. Attendez. Le samedi, Nicolas Kazadi était chez lui, calmement. Il y a Azu Makambo. Mais écoutez, les vieux ici. Il y a Azu Makambo. Ou à Monaki, il y a des journalistes qui vont soutenir. Ou à combattre. Nini, toi, nous avons besoin que c'est Yango. Mais comment? Non, information à l'Okuta. Je vous dis. Nicolas était chez lui. Attendez, je vous dis. Avant de voyager, je vous donne l'information. Il y a eu un grand débat. Les services de sécurité se sont mis debout pour dire vous ne voyagez pas, vous n'avez pas l'autorisation de quitter. D'où est venu l'ordre de les laisser partir? Kouloutou, comment t'es? Finalement, je suis très mal à l'aise. Ça va congolais, lui, Makambo, non, mais laissez-moi parler. Journaliste, les lots, finalement, vraiment, ça va bien. Mais laissez-moi. Il y a un bilo à mon réseaux sociaux. Attendez. Nicolas Kazadi voyageait de chez lui à la maison ou à l'aéroport. Non. Pas le samedi. J'ai dit ceci. Moi, je ne parle pas de dimanche ou de samedi. J'ai dit à l'aéroport avant de voyager. Mais le dimanche, quand il est parti. Il a voyagé de chez lui à la maison? Non, il est parti de l'aéroport. Attendez. Il est parti de l'aéroport, vrai ou faux? Mais je vous dis qu'avant qu'il voyage, il y a eu un débat sérieux avec les... Mais est-ce que vous étiez là? Ce que vous dites, vous faites référence au samedi. Ah non, il y a eu ce que vous dites là, le samedi. Vous pouvez me protéger. Où les gens ont inventé un truc. Vous pouvez me protéger. Nicolas a été interdit de voyager. Parce que je suis en face de celui... Tant que Nicolas a dit bon, quand elle qui vient d'abord, c'est ça le problème maintenant. Mais parce que comment il défend comme ça? Mais qui me laisse parler? Il faut lui dire. Regardez comment il se comporte. Mon frère. Non, je ne retire pas. Comment il défend comme ça? Non. Dans les mensonges. Non, qui se calme, je retire. S'il ne se calme pas, je ne retire pas. Il y a eu un mensonge que vous aussi, vous êtes. Ce n'est pas un mensonge. Vous êtes victime de ce mensonge. Je ne suis pas une victime. Les gens ont menti. Non, Nicolas n'a jamais été à l'aéroport le samedi. C'est hier que Nicolas est parti à l'aéroport. Et là, vous voyez, très bien. Mais parce que je connais la vérité. Calmez-vous. Ah, oui? Calmez-vous. De retraiter Batumi. Ok. Parce qu'il ne peut pas défendre comme ça. Retirez-en, s'il te plaît. Bon, je retire, qu'il me laisse aussi parler. À la fin de l'émission, je vais vous montrer quelque chose. Comme ça, nous allons nous mettre d'accord sur ce que je suis en train de faire. Merci, grand frère. Merci. Avec tout le respect que j'ai les doigts parce que c'est. Il a l'âge presque de mon père. Donc, j'étais en train de lui dire ceci. On peut tout dire de tout cela. Qu'est-ce qui empêcherait? Est-ce qu'il peut nous montrer un seul hôpital où il a été interné et l'hôpital a dit que Zaka n'a pas sauté?
où il y a eu la lettre de transfert, madame, madame, avant de dire que les soins ici, il doit avoir les soins appropriés, il doit avoir commencé les soins quelque part. Comment voulez-vous dire? Vous êtes malade, vous-même, tu vas te dire toi-même, non, mais les soins appropriés en Europe. Mais on a vu le même cas avec qui ici? Avec le proche de Katumbi ici, c'est qui? Salomon Escadela. Mais il y a d'abord les hôpitaux qui ont dit à les toucher et à les traiter. Et ces hôpitaux ont dit non, les cas ici, ce n'est pas le nôtre. Mais Nicolas Kaza a dit, j'ai un soin ici à mon côté, maman. Accueillir à terre un centre de santé, au Bakabolarana Ridoté. Directement, il se déclare lui-même que voilà, malade, on a la zone, là, qu'on va traiter, il faut que les nations à l'étranger. Gouvernement, Nabisso, régime, Oyo, et qui m'a Nicolas Kaza. Oh. Je vous dis sérieux, et je suis en train de dire, Batobako Sambaka à la longue. Conclusion. Pour na auto bengaka, babengaka infraction, Oyo, régime, Mobimbe Sali, babengaka yango, recel des malfaiteurs. Recel de malfaiteurs, les alliés infractions, il y a qu'au Kimi Sato, qu'au Bomba, moto, justice, ça n'a pas été. Ce qui a zongé au Robin. A kozong ate. Ce qui a zongé à quelle prison? Maman, ce qui a zongé au Bengal. Natunio, a kozong ate. J'ai dit a kozong ate. Okay. Et puis, la non, Nicolas Kéhi. C'est dans deux semaines. Non, je vais chuter. Nicolas a kozong ate. Parce que ce qui Nicolas a zongé, dossier Oyo, et kozong a lire Moussous. La peur, c'est ça. Je vous ai dit. Que tout décaissement à mort de dirigeance obtient l'écriture du chef de l'État. Ce qui va relier à Kosambi, c'est lui n'est pas Kamer, hein? Peut-être qu'il peut lâcher des vérités. Lui n'est pas Kabundu, il peut lâcher des vérités. Alors, qu'est-ce que vous insistez? Alors, c'est que je veux. Non, mais écoutez, lorsqu'on les poursuit, le Mbongo et Bimaki n'a pas ça qui ordre, il va dire le chef de l'État. Vous voyez, mais je dis ceci. Dit partout. Non, voilà. Finalement. Mais, madame, je vous dis ceci. Ce n'est pas moi, c'est la loi. Je souhaite vous dire que tout dégaissement en procédure d'urgence obtient le cutus du chef de l'État. Vrai ou faux, nous nous mettons d'accord, vrai. Alors lui a dit qu'on l'avait donné l'ordre. Qui donne l'ordre? C'est le chef de l'État. Quand il sera devant la justice, il va citer qui? Il va citer le chef de l'État. Donc on aura à tracer la traçabilité pour la découverte de preuves ainsi que la culpabilité. Ça risquerait de salir le chef de l'État. Peut-être, alors dans ces cas-là, j'estime que conditionnellement que peut-être à cela bah qui m'y sied parce que n'engagez à qui on a de cette quelle vérité il y a mon assemblé batika bah oh batika li et à l'ingéti moi je savais à la main je voulais avant qu'il n'avance je voulais dire une chose. Je n'ai pas dit que on a sorti l'argent en mode d'urgence. J'ai dit les dossiers, c'est quand ça a commencé. Nous tous nous avons appris que l'argent a été sorti en mode d'urgence. Nous tous nous sommes informés. Merci. C'est pas moi. Merci. Okay, merci, voilà. Kabas, vous l'avez reconnu. Voilà. Reconnaissez aussi que ça prend l'écriture du chef de l'État. Ok. Non, reconnaissez. Il faut dire à ce qu'ils ont dit. Non, reconnaissez-vous. Non, moi je lis vous. D'urgence. Mais comment vous reconnaissez une partie? Reconnaissez quand même que l'argent est sorti de mon... Écoutez, vous avez reconnu. Non, je vous pose la question. Non. Vous et moi, oui. On a tous suivi à travers la presse okay. Quand le dossier a commencé. L'argent est sorti par mode dirigeance, n'est-ce pas? Non, pas vous, mais vous, nous reconnaissons. Mais reconnaissez aussi que nous reconnaissons, vous aussi vous reconnaissez. Oui, moi je reconnais que ça prend sur le petit chef de l'État. Il ne faut pas me faire... Alinghetti. Alinghetti, rapidement. Le problème d'Alinghetti, c'est quoi? Alinghetti a fait un bon travail. Il a fait un très bon travail. Dans les pays des hommes normaux, une grande partie, Katikati a Union Sacrée, à Batouazo, composé Union Sacrée, à 89%, ben, il y a en prison. Par le travail fait par Alinghetti. Mais maintenant, il trouve que Alinghetti fait bien un travail. Et Alinghetti a poussé aussi les pieux un peu très loin, qui commencent à aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire partir en leur créant des dossiers. Il commence à déranger. Et il dérange qui? Il dérange le mieux placé de l'Union Sacrée. Les régimes, il y a Bisengo, il y a vol, na vol, oh, bah, comme ils sont voyage, sport. Ah, Martin Fayoulo, Martin, et le Rosuapi. Sport, Asikebimi, voyage, sport. Donc, c'est-à-dire pour vous dire que Alinghetti fait un bon travail, mais ce travail est étouffé. Beaucoup de rapports de détournement à Tinda Tinda Yango. Mais il est vrai, dans côté liété, contrairement avec le vieux, il est vrai que dans le travail de l'homme, il peut y avoir des faiblesses. Mais nous aimerions qu'on ne mette pas de côté le travail rendu, que la justice puisse s'impliquer suffisamment pour rechercher des preuves.
Mais tout ce que je sais, ezali bato bazolinga kobundisa nde alingete en soi. Parce que dans le régime de Tshisekedi, tout le monde ne sont pas mauvais, mais plutôt c'est la tête qui dirige qui est plus mauvais. Parce que quand vous voyez bato nyonso zo mona na kasiki ya Union Sacrée ba composé les six die ninja o bazo kambamboka. Vous parlez du présidium. Présidium de l'Union Sacrée. Ba comment ba nzambe les six petits ninjas avec formule 1 plus 6. Donc bato wana na kati na bango nyonso wana ije fasalela bango ba rapport ba détournement. Ne baza wana bango nyonso wana bako tika ete. Ne baza bango nyonso wana mboso ebi dossier na ete. Mituka somba ki na mbongo exagéré na ba soin ya banini. Soko landa nani oyo babenga kae nani baba oyo sena mettre un peu toujours dans les désordres. Soko kota la nani premier ministre na biso ya kala. Meka kana ba bloka ba détournement banini. Donc tout ce travail il a rendu, on le crée alors un dossier. Moi j'aimerais que ce dossier là puisse aller jusqu'à sa fin. Toye ba vérité exactement ezalini. Mais en soi, faut qu'on yeba que le chef de l'État doit être très prudent. Bato bazali ndenge nini. Soki ba moni moto, to lukele likam. Ba bandi ko lukela yo po ba salir yo ba tia yo pembeni. Tant ba ko tia pembeni kaka bango. Lokola bazali ba décider. Ba ko créer moto na bango o ya malonga o ya kozala proche na bango, abomba ka bango ba tia na isika wana. Mais soki ba tia moto zo traquer bango, ba ko créer les problèmes. En définitive, faut dire ceci. Que makambozo le kananambo kanabiso autour ya ba détournement na ba nini ndeko nangai partout na ba détournement nyonso vous allez entendre le nom du chef de l'État à l'intérieur. Oh là là, aussi problème, merci beaucoup. 100 jours, il y avait pas eu le nom du chef de l'État. Si les gelou, il y avait pas eu le nom du chef de l'État. Lampadaire, il y a pas eu le nom du chef de l'État. On ngoyem sangani madame. Projet nino yo yebi na mboka na biso e boti de tournement sans que comme chef de l'État zanakati. Oza motami beko. Nous menons zo bisayo ke zo bimakanga ite. Ezo bimaka ke le chef de l'État, projet zaki a chef de l'État, projet zaki a président, ce n'est pas moi. Merci beaucoup. C'est merci beaucoup mon mboka malobana yo. Yo mokonde ozo lata yango. Likambo etali documentaire yo ba journaliste d'investigation groupe moko ba kindai kosala na Inde pe na bamboka mosusu bisika ba bimisi de ko alingeti kozalaka en connivence na ba étranger pour na koyiba mosolo ya trésor public no mona kindeko mubenga particulièrement ko fistiger ango sur votre chaîne YouTube na landa kyo koloba etende ko alingeti azo mérité prison. Comment est-ce que yamba ki yango, est-ce qu'avec déception pour za moko ya ba bana o tata mukambe ko la bete la katolo soit ozo rejoindre ndeko azolo ba ki balingi ne ba baby sera alingeti esika parce que ba mibi bazo supporter ete d'abord na rena e bisa ndeko ke il faut ko éviter ko sala malgam ya makambo o tia chef de l'État na kata ba makambo o ba individu bazo sala le chef de l'État est le garant le bon fonctionnement des institutions. Il y a une indépendance dans la gestion. Chaque personne doit faire son travail et quand il y a faillite dans l'exécution du travail, il ne faut pas qu'on l'a dit à chef de l'État, Likambouana. Justice, c'est eux exister pour que nane toyeba vérité, nana zoakimbongo, nakata chilegelu, nakata 100 jours, tout le monde a dit son nom. Bilou, on a insinué que non, Vital, l'obagité, peut-être Nicolas va dire, Bilou, on a Ezra, Bilou, toujours, on a la population. Il n'y a rien de soubassement, aux prouver que chef de l'État, Zaki, on a Katia, Makambouana. Donc, il faut vraiment éviter de mélanger les tout. Sur le dossier, Gilles Alinguette, la Monique Ndeko, a effleuré, Azana maîtrise en moté, peut-être à Landa qui documentera en moté. Et on est à l'objet, on regarde de manière superficielle, avec beaucoup d'insinuations autour du présidium et tout ça. Dossier, il y a Alinguette, Bissonio sur l'Andiango, documentaire et Bimi, Bandeko Basali, enquête, Paketina Inde, beaucoup de les anciens collaborateurs, il y a Famille Raoudji. C'est de là où nous avons tous appris que Gilles Alinguette, avant à la chef de service, il y a IGF, Azalaka, un des conseillers ou tout ça fiduciaire, il y a Famille Wana, Raoudji, Oezali, Beltesco, Marsavko, Prodimpex, tout ça, c'est Robank, c'est toute une
tout un consortium, il y a une société, et j'ai la ligne de Tazaki Kosunga Bango, dans le côté judiciaire, c'est-à-dire côté à la fiscalité, au conseil Bango, sur le bilan, na Bango. Donc voilà, ne faites pas comme ça. En fait c'est le travail d'un expert comptable. Et Gilles Alinguette a un cabinet d'experts comptables. Bon, ça s'est fait partout dans le monde. Mais ce qui pose problème ici, c'est le conflit d'intérêts. Quand vous êtes responsable de l'État, en même temps, vous conseillez à une société d'échapper à la fiscalité en jonglant sur les chiffres, en bougeant les éléments, comme nous avons suivi dans les documentaires, ça devient très grave. C'est l'État qui perd des millions d'argent. Vous voyez, s'il était expert comptable indépendant, c'est normal, c'est un travail. Moi-même, aux États-Unis, je suis un expert comptable. Chaque année, je déclare les bilans des sociétés, je fais la fiscalité des gens. C'est un travail normal. Mais je ne peux pas être en même temps agent fédéral des États-Unis et en même temps expert comptable. Vous comprenez, il y a un problème de conflit d'intérêts. C'est à ce niveau-là qu'on dit non. Gilles a fait un grand travail pour le pays. Nous tous nous reconnaissons. Nous avons vu beaucoup de sociétés commencer un peu à changer leur mode de gestion des finances publiques parce que se disaient, ah, avant de sortir de l'argent, il faut faire attention. L'inspection générale, j'étais une fois là, au FPI. Là-bas, on me dit, non, ici, en tout cas, on ne donne plus les financements parce qu'il y a l'inspection générale des finances qui vient auditer, qui vient vérifier, qui doit participer dans la commission là, qui délibère à qui on doit donner l'argent, à qui on ne doit pas donner l'argent. J'ai dit, ah, ça c'est quand même déjà bien, ce sont des avancées. Vous voyez, ça ce n'est pas un problème. Nous disons merci à Jules et à son service d'avoir rendu service à l'État congolais. Mais ce qu'on est en train de dire là, que jusque maintenant, sa société d'ACO continue à faire ces histoires-là, nous disons, ce n'est pas exclu que la justice puisse un peu regarder. Ce n'est pas parce qu'il fait bien le travail qu'on ne peut pas regarder parce qu'il y a déjà la clameur publique. La vidéo même a été retirée sur la plateforme YouTube. S'il n'y avait pas un problème, pourquoi on enlèverait cette vidéo-là? Vous voyez, s'il ne reconnaît pas, il n'a pas un problème, on pouvait continuer à voir la vidéo, lui pouvait aller justifier ça devant. J'ai suivi Israël Mutombo, je crois hier, qui dit que tout ce qu'on dit là, c'est un montage, ce sont des mensonges. Le PG Mumba avait déjà... Oui, oui, il a un dossier déjà clos. Oui, c'est déjà un dossier sans clos. Suite. Classé sans suite. Bon, ce sont des gens qui veulent nuire à Linguette, qui sont en train de réveiller les chats qui dorment. Moi, je dis, bon, si c'est déjà clos, on laisse passer ça. Mais c'est quand même bizarre que le documentaire Wane Bimaka Ramokolo Ndeko Nicolas Kazetsenga qui est na liboso ya bajiji, est-ce que ça a un rapport? Je ne sais pas si les journalistes qui a sorti la vidéo était membre de famille de Nicolas Kazadi, je ne sais pas. J'ai toujours vu, j'ai toujours apprécié le travail de mon frère Maïsi Chibangu. Un excellent journaliste, un investigateur. Bon, si dans le passé il l'a fait, il n'y avait pas de problème. Cette fois-ci, ça sort. Malheureusement, ça coïncide avec... Simple coïncidence. Je ne sais pas. C'est le samedi. On a vu ça le samedi, la nuit de samedi, que cette histoire-là est sortie. Bon, est-ce que ça a un rapport? Je n'ai pas beaucoup d'éléments. Nous avons tous regardé comme vous, comme moi, comme tous ceux qui ont vu. On a vu seulement des Indiens en train de parler, en train de donner beaucoup de détails. Le dossier était déjà clos. Pourquoi on a ressuscité ça? Je n'ai aucune idée. Merci beaucoup, Mayamboka, pour l'éclairage. Ndeko, Maître Jean-Pi, Ozana Maloba, pour rebondir, afin que les canaux dossiers sécuritaires peuvent être chités. Merci.
Il y a un problème avec le grand frère. Quand on dit Nicolas Kazadi a détourné l'argent de la République et que ce régime, il y a Bisengo na Bisengo, il y a joie en joie. L'unique régime au monde où tout le monde détourne, mais tout le monde sont innocents et tout le monde tombe malade et les soins seulement à l'étranger. Depuis que le monde est monde, c'est ce régime. Lorsque on dit on touche à l'autre, non, 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 là en tout cas, il ne faut pas toucher. Mais lorsque il parle de Alinghetti, donc là, maintenant il emballe, Alinghetti doit être arrêté. Non, 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 non. Lorsque vous lisez l'article 56 et 57 de la Constitution, Nicolas Kazadi est passible de l'infraction de la haute trahison. Et avec comme conséquence, il faut pas dire Mbikaye. Oh. La pendaison. Est-ce que je lis? Je lis l'article. Voulez-vous que je puisse lire l'article? Non, voulez-vous que je lise l'article? Que je puisse lire l'article? Si vous le voulez. Mais la peine, c'est quoi? C'est la condamnation de mort, non? C'est la condamnation à mort. C'est ça, la trahison a comme peine la condamnation à mort. Et on a déjà levé le moratoire. Les conséquences, c'est quoi? Pourquoi vous voulez échapper à cela? Les vieux doivent savoir ceci. Vous parlez, vous êtes en face. Vous. Marc Asenga. Seulement Nicolas. D'abord Nicolas Kazadi. Oh. Parce que c'est lui. Attendez, je vais vous dire la vérité. Pourquoi? Parce que Nicolas Kazadi, lui, c'est notre papa Likelemba de la République. C'est nous. Yende Mobombi Nabiso. C'est lui notre cœur de fonctionnement en argent. C'est lui qui devait veiller. Non, non, madame. Mm. C'est lui notre sentinelle de l'argent. Alors, lorsqu'il commet des légèretés à cet argent qu'on l'a remis de gérer, Nicolas Kazadi, il est expert en quoi? C'est seulement en décaissement, en mode dirigeance et en paiement de dettes internes de ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait de nécessaire là-bas? Ah, mon salami. Hein? Quoi? Dites-moi. Quoi? On a 16 milliards. Quel 16 milliards, nous sortons le pays le plus pauvre avec. Nous sortons 4e pays plus pauvre au monde. Quelle est l'importance d'avoir un grand budget et avoir une population pauvre côté médiocre? Vous suivez les classes? Non, non, laissez-moi, non, non, laissez-moi. Laissez-moi. Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, et je sais que tout ce que je vais vous dire, en tout cas, grand frère, avec tout le respect, il est temps pour vous de dire les vérités maintenant. Il est temps pour vous d'orienter ces pouvoirs. S'ils font bien, ça sera à notre avantage. Ce qui va salir ma baie, ils ont des avantages, Nabiso. Il dit ceci, d'abord sur la vidéo des journalistes. Est-ce que cette vidéo a quelle nature juridique? Moi, je suis avocat. Cette vidéo-là a quelle nature juridique? Cette vidéo-là, ça a quelle nature juridique en droit? Est-ce que ça a un caractère d'accusation? J'ai dit non. Et allons maintenant plus loin pour se poser quelques questions relativement à cela pour éclairer maintenant le grand frère. Est-ce que, d'abord, ces journalistes-là étaient accrédités? Qui les a envoyés là-bas? Ils sont d'où? Ils viennent d'où? Bon, leurs rapports, ils ont produit les rapports ou la vidéo? Ils sont de quelle corporation? Ah, ce sont des journalistes congolais. Des journalistes congolais réunis sur quelle corporation? Madame, laissez-moi. Si ça sortait mais dites-lui, je ne les dérange pas. Laissez-moi dire. Ils demandent s'ils sont accrédités. Je suis en train de leur dire. Vous avez dit ce que lorsque vous partez à une mission, attendez, c'est une mission. Vous me dites qu'ils étaient partis en Inde et tout ça. Lorsque vous partez, vous devez avoir l'ordre de quelque chose appartenant à une corporation parce que c'est une mission. Vous allez produire des rapports, soit en accusation, soit en. Les connaître, c'est-à-dire devient magistrat. Mais c'était un journaliste congolais. Mais les journalistes, est-ce qu'il était accrédité pour cette mission-là? S'il vous plaît, moi, mais s'il a sa propre chaîne. Mais ça, c'est un fait privé, alors à partir de ce moment-là. Qui doit l'accréditer? Vous me demandez à votre régime. C'est une investigation. J'ai dit ceci. Quand on vous a parlé de Panama Papers, laissez-moi. C'est un groupe de journalistes. Dites au grand frère qui parle. Ce n'est pas la France qui a accrédité ces gens-là. C'est un groupe de journalistes. Dernièrement, nous avons appris sur Kagame. 17 chaînes de télévision ont enquêté sur tout ce que Kagame fait à travers le monde
contre ses opposants. Laissez-moi parler. Mais est-ce qu'on doit accréditer de quelle manière frère, par l'État? L'unique difficulté que vous avez ici, c'est que non, vous parlez avec un grand avocat en face de vous et un grand juriste. Je vous dis ceci. Si on doit prendre ça à titre de dénonciation, j'en serais d'accord. Mais qui a dites-lui de se calmer quand même. Sinon, je ne parle pas. Ok, allez-y. Si on doit prendre ça à titre de dénonciation, qu'un patriote congolais a s'est donné l'élix de pouvoir, il s'est inquiété sur quelque chose et il a pu requérir quelques informations et il y dénonce. Là, si je vais le dire. Mais prendre ça, pardon, prendre ça. Mais écoutez, là, vous partez dans un autre volet. Mm. Prendre ça maintenant comme une vidéo d'accusation ou comme une preuve dans ce dossier, c'est là comme juriste, j'ai dit non. Pas vidéo, on a pas zo, là, que ça va après, non, mais vous savez, quand est-ce que, vous savez, en droit, quand est-ce que papier est comme preuve? Nous avons tout un chapitre en droit sur ce qu'on appelle l'administration de la preuve. Okay. Ce n'est pas parce que papier est comme minangai et d'office ça devient une preuve. Jamais. Donc, il y a des processus pour que comme preuve. Ouais, comment il soutient un ça c'est bon. Est-ce que vous pouvez lui dire? C'était à moi de se comporter comme vous. Je vous en prie. Quand vous allez sortir ici, donc, vraiment. Je suis en train de vous dire un ceci. Un appel, ça suffit, ça va être vraiment. Je vous dis, je suis du FCC. Ça, je vous l'ai dit. Je suis du FCC. Je ne connais ni de loin ni de près à Linguette. Je suis dans le principe. FCC existe, oui. Je suis dans le principe. Si ça n'existe pas, vous êtes venu au pouvoir comment? Mais quand on dit que Kabila n'a pas de bilan, ça m'étonne. Le premier bilan, c'est les passations pacifiques du pouvoir, que vous êtes des premiers bénéficiaires. Alors comment dire ça? Que vous dites que le FCC n'existe pas, il est parti où? Bénéficiaire, c'est pas... Je salue d'ailleurs le conseiller Jean-Pierre Kambinga qui nous suit. Donc, je suis en train de vous dire que l'FCC existe. Cité. Et nous allons revenir au pouvoir pour réparer ce que vous avez fait. Ah bon? C'est un rêve. Revenir, c'est-à-dire... C'est vraiment un rêve. Vous ne me voyez pas devenir président de la République dans ce pays? Non, mais il y a trop de médiocres dans l'Union sacrée. Nous pouvons réparer ça. Donc, c'est pour dire c'est ceci. Pas mal de rêver. Si je comprends, si vous me dites, vous me direz que, n'est-ce pas, il s'agit de dénonciations d'un compatriote congolais journaliste, j'accepterai. Et là, je vais le conseiller, aller le déposer chez le ministère public, où je demanderai au ministère public, le procureur, de s'en saisir, parce qu'il peut se saisir d'office. Mais si vous le prenez à caractère d'accusation ou d'une preuve dans cette matière-là, là, je vous dirai non. Mais qui a accusé? Vous prenez ça, vous dites que les journalistes... Non, ces journalistes-là, parce que le vieux fait encore une confusion. Toute personne peut être pris comme espère. Même Mouta Poussou. Parce que c'est le gros espère. Pour que je sache que 10 n'a Poussou et que la Poussou va piner. Toute personne. Alors, est-ce qu'il faut d'abord s'interroger? Est-ce qu'Alingetti ne peut pas être pris comme étant espère d'orientation dans une entreprise? Tu sais qu'on peut, on peut te prendre juste comme espère en orientation. Voilà, nous voulons faire ceci. Est-ce que tu peux nous orienter? Peut-être parce que tu gères, tu as la gestion de la région. Je ne défends expert, pas. Il a une. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas? J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas? Il y a confusion. Encore que, lorsque toi, je parle toi, de. Toi lorsque censé, je parle. Attendez. Lorsque je ce parle. Censé lorsque je parle. Lorsque je parle de Kazadi. Ah, là, lui me dit, non, tu n'as pas de preuves, encore que tu dois vérifier. Mais lorsque lui parle de l'autre, il dit non, il a une entreprise. Vous pouvez me donner le nom de cette entreprise et ses documents officiels. Les documents officiels, vous en avez, vous avez trouvé le nom. Mais écoutez, si l'entreprise ne peut pas appartenir à ma femme? Non. Quand une chose appartient à le nom de ma femme... Non, attendez. Quand une entreprise a le nom de ma femme, connaissez-vous combien de ministres ici font de commerce? Parce que nous avons Dubaï, Banin. Vous êtes un homme de droit, non? Non, nous écoutez, ce qui est légal. Non, ici, dans votre régime, il n'y a rien de droit. Vous ne pouvez pas être comptable qu'est-ce qui est... et caissier. Non, qu'est-ce qui est de droit dans votre régime? Vous ne respectez rien. Quand il s'agit de l'opposition... Non, attendez. Quand il s'agit... Non, mais c'est ça. La loi. Quand il s'agit de l'opposition, quand il s'agit d'accuser quelqu'un, vous revenez à la loi. Quand il s'agit de vous de respecter la loi, l'intérêt de la nation prime sur la Constitution. Merci beaucoup. Juridiques, la responsabilité que je vous dis, prenez la question avec toutes les réserves. Il ne faut pas confirmer que l'entreprise appartient à Alingetti. Je ne comprends alors, rien. Le même exercice dans que vous avez fait. On nous dit que cette entreprise. Ce n'est pas l'enquête, retirez ça. Oh. C'est une enquête. Mais comment vous dites ça, enquête? Oui. Vous enquêtez. Qui l'a mis?
écoutez, oh. vous savez quand est-ce que celui qui fait l'enquête, on l'appelle comment? L'enquête doit être. Celui qui fait l'enquête, on l'appelle enquêteur. Est-ce que vous savez que enquête est un agent journalistique au bisou de ça là? Non, écoutez maintenant. C'est un travail journalistique. Ils allaient Moussala Nayo. Oui. Mais Moussala Nayo, il faut aller dans la corporation reconnue officiellement que vous allez à peine en charge à vous salaire à Nino. Mais Zali était un fait privé. Il y a mon rôle de chaîne Naye. Et c'est produit dans sa propre chaîne. Vous ne connaissez pas. Hein, à quel moment ça devient enquête? C'est une dénonciation, s'il vous plaît. Je vous dis, c'est une dénonciation. C'est que vous devez utiliser. Là où il travaille. Non, non, c'est une dénonciation. Là où il travaille. Écoutez, la nature juridique de ce qu'il a fait, c'est une dénonciation. Très bien. Mais dire que l'enquête, vous devez me montrer l'accréditation, vous devez me montrer est-ce qu'il a saisi les autorités officielles là où il est descendu, quel est le rapport qu'il a produit, seulement la vidéo. Merci. Et ça, vous appelez ça. Vous avez suivi la vidéo. Mais il a déposé ça où? L'enquête là, il a déposé ça où? Merci beaucoup. Vous n'avez pas même suivi la vidéo. J'ai suivi. Vous avez suivi. J'ai suivi. S'il vous plaît, moi, la je le connais même bien avant. Merci beaucoup. Je connais même bien avant, avant qu'il fasse ça. Ils ont commencé par des vidéos, je l'ai vu. Merci beaucoup. Même des émissions. Vous avez autre chose que vous ne voulez pas dire. Voilà, je vous comprends maintenant. Très bien. Vous avez beaucoup, mais vous voulez juste... Mais nécessairement, je suis à la télé. Merci beaucoup. Tout évolué, situation sécuritaire dans la partie Est. Le président Tshisekedi rassure que... Nyon Seza et Tiami en herbe pour que va récupérer la localité Oekoyaki et puis Bazongisa Kimia, Bandeko Bazongrepana Bango, Kasi. Moko, il y a société civile a déclaré na compte X-Naye après la chute des cas et à Barunga, le président Kanya Barumba, Yonga. Le président Tshisekedi devrait se remettre en cause lui-même ou remettre en cause l'organisation de l'armée. Avec tous les investissements faits dans l'armée, on devrait voir la situation évoluer en faveur de la RDC. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les discours ne peuvent pas remplacer le résultat sur terrain, mon Mboka. Votre réaction? Je parle ici de M. Jean-Claude Katé, qui réagit. Oui, cette situation de l'Est est devenue aujourd'hui une épine sur le pied de tout Congolais, pas seulement du président Tshisekedi. C'est vrai, c'est lui qui est le commandant suprême, mais c'est une situation qui doit être analysée vraiment avec toute responsabilité, étant donné que c'est une situation qui nous est imposée par l'Occident. Voir que le Rwanda, l'Ouganda sont en train d'opérer de manière délibérée chez nous, sur notre territoire, aucune sanction, aucune condamnation. Toutes ces nations, au contraire, ils donnent le bonus au Rwanda, ils signent des contrats de collaboration, ils signent des accords, ils financent même l'armée rwandaise. Nous comprenons qu'il y a un réel souci. L'armée congolaise, c'est vrai, c'est une armée qui a bénéficié ces derniers temps de tout le soutien du chef de l'État et de tous les Congolais. Nous les avons poussés jusqu'au bout. Nous avons dit que c'est l'unique armée que nous avons. Les autres peuvent venir nous aider, mais notre armée souffre aussi de l'infiltration, la trahison. Vous savez, c'est une armée qui est sortie de plusieurs métissages, plusieurs mélanges. On a connu après le Sand City, Yahi, tous ces arrangements avec les belligérants qui ont composé l'actuelle armée que nous avons. Et depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il n'a pas voulu faire table rasa, c'est-à-dire enlever tout le monde, remplacer. C'est-à-dire, on continue, sommes tous Congolais, on avance, je vous fais confiance. Plusieurs fois, il a réuni les officiers supérieurs, les généraux, il leur a dit, nous sommes tous les enfants de ce pays, travaillons vraiment avec amour, avec patriotisme. Mais malheureusement, nous voyons que certains généraux, certains officiers continuent à trahir, certains sont en prison, vous connaissez, oui. Il y avait les autres. Il y en a, et certains sont encore sur le terrain là-bas, continuant de travailler avec l'ennemi, parce que les Occidentaux qui sont déterminés
à atteindre leur objectif, ils utilisent tous les moyens. Vous voyez, avant les élections ici, comment on a fait la pression sur la RDC. Les ambassadeurs accrédités à Kinshasa venaient tout le temps, ils interféraient dans l'organisation des élections et tout ça. Mais regardez au Rwanda. Dans deux semaines, il y a élection. Aucun observateur, ni de l'Union européenne, ni de l'Union africaine, ni des États-Unis, tout ça. On n'entre pas dans leurs histoires. Mais ici, vous avez vu comment on nous a fait pression. Il faut que les élections se tiennent. Il faut ceci. Les observateurs sont venus avec des machines. On leur demande d'inspecter. Ils ont refusé. Tout ça, deux poids, deux mesures. Est-ce qu'il y a évaluation à l'interne parce que faut que le président doit dossier oui ça l'est mis après juste de part à madame Soumi Noana Est République du Congo alors que l'instruction est là qui claire et pour que l'armée n'a pas avancé mais pas de résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais notre armée, il faut dire que on est en train de nous imposer un rythme. Vous avez suivi le général Chirimwami. Mm-hmm. Il dit que nous respectons le cessez-le-feu. Les autres, les M23, ne respectent pas le cessez-le-feu. Nous, quand la hiérarchie nous demande de stopper, nous stoppons. Nous faisons ce qu'on nous demande. Pourquoi la hiérarchie? C'est parce qu'il y a interférence internationale. Mm-hmm. Vous allez voir le secrétaire d'État américain appeler le président. Non, vraiment... Il faut le dialogue, il faut privilégier la diplomatie. Il faut d'abord calmer les jeux. Quand nous avançons, on nous calme. Quand on nous attaque, personne ne parle. Complicité internationale. Oui, mais c'est eux qui sont... Parler de communauté internationale, c'est trop créer le flou. Parce que communauté internationale veut dire la Chine et la Russie dedans, l'Iran, la Corée du Nord et les autres. Non. Or, eux, ils ne sont pas là. Mm-hmm. C'est les États-Unis, l'Union européenne, les 27 là, la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, le Canada, c'est eux là qui sont à l'Est, qui sont en train de piller nos richesses au Nord Kivu, qui veulent que cette confusion continue et que notre armée ne puisse pas déloger les autres, qu'on puisse nous mettre dans une position où on va nous demander d'accepter le dialogue, les négociations. Et les négociations, c'est pour laisser le Kivu sous la supervision du Rwanda, que les multinationales continuent à piller. Mais Martha Fayoulou, mon cœur opposant, et un beau calabiche à l'obé et Zali, prévient irresponsabilité à pouvoir en place. C'est un opposant. Vous pensez qu'il peut dire le contraire? C'est comme ça qu'il doit parler pour que la population trouve que c'est vraiment un opposant. Un Congolais Je viens de vous dire ici que cette histoire est Lumumba, plus de 60 ans avant, a dit que la balkanisation du Congo, c'est demain. C'est un plan, c'est un projet qui rampe depuis plus de 60 ans. Et les mêmes, ils meurent, leurs enfants prennent le projet et continuent avec ça. Pour eux, le Congo est trop grand. Le Congo est ingouvernable. Il faut diviser le Congo en plusieurs petits États pour qu'ils puissent nous affaiblir. Parce que la grandeur du Congo, avec tout le potentiel minéral et de tout ce que nous avons, c'est un danger pour eux. Ils viennent d'expérimenter avec la Chine. Il y a plus de 40 ans, ils sont allés vers la Chine. La Chine s'est développée. La Chine a une grande superficie, a une grande démographie. Aujourd'hui, la Chine devient une superpuissance. Ils ont peur que le Congo, un jour, se réveille, le Congo se développe, parce qu'avec la guerre, l'instabilité ici, on ne pourra jamais se développer. On ne pourra jamais prendre comme ça un programme, commencer ça jusqu'à la fin. Parce qu'avant que le programme s'achève, il y a la guerre, il y a l'instabilité, et l'argent va être désaffecté pour aller terminer cette histoire-là. Donc, c'est à ce niveau-là. C'est pourquoi, quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit il faut traiter ce dossier avec toute responsabilité. Il ne faut pas entrer dans les jeux de l'opposition, entrer dans ce que les gens veulent raconter. Nous tous, nous sommes conscients que cette histoire, ce n'est pas aujourd'hui. Mobutu est parti parce qu'il voulait prendre la Gécamine et tout l'Est. Mobutu a refusé, on lui a fait la guerre, on a imposé Kagame prendre le Congo et aujourd'hui, nous continuons à vivre la même stratégie. Ça continue. Il faut qu'à un moment donné, en tant que peuple, nous puissions nous assumer, que nous puissions voir d'autres options qui sont sur la table. Kagame prend le Congo, après Mobutu, vous parlez de l'AFDL.
Bien sûr, je suis en train de résumer. L'AFDEL, c'est Kagame, non? Ah bon? Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'AFDEL, oui. Ok. Ils ont reformulé, ils disent M23, AFC, c'est l'AFDEL. C'est... Il y a les mots là, C, F, là-dedans, vous voyez? Ah bon. Ah, oui. Notre ami du FCC a pour répondre. Merci beaucoup, moi, Lamboka. Je ne savais pas au début que c'était un ami de l'FCC. Okay. Vraiment, il est efficace. Très bien. Ndeko Jean-Pierre Galula, Tozon Asusuna, Mokweba Xien, Ndeko Jean-Claude Katende, qui réagit ces derniers temps. Il dit, au lendemain de la prise de Bounagana, le président Tshisekedi avait tenu un conseil supérieur de la défense et avait donné des instructions claires pour la reprise de la cité. Nous connaissons tous la suite et aujourd'hui il fait la même chose. Est-ce un aveu d'échec? Un sérieux aveu d'échec, une démonstration de l'incompétence au sommet de l'État, et ce qui nous met en insécurité. Mais vous devez savoir que la question de la sécurité ou la question de la défense, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de la majorité. Exactement. Parce que c'est le territoire national qui est touché. Vous comprenez? Et ça, le rôle à toujours soit Nambung et Bunginandak, curieusement, Nyokakoti. En tout cas, nous devons d'abord arrêter cette histoire d'argent pour régler d'abord la situation du serpent qui nous a surpris. Mais avant Natondo la Mokonzo à Yondengolobi, j'ai été choqué lorsque j'ai entendu. Sur la question de la sécurité et la question de la défense de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État représentés ici par lui, parce qu'il est de l'Union sacrée, il a dit le secrétaire d'État des États-Unis appelle les chefs de l'État pour lui dire stoppez, avancez, arrêtez. Non, pas pour. Non, 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 on peut reprendre. Mais dites-lui de se calmer, non. Monsieur le Président, non, est-ce que. Vous ne me protégez pas, sincèrement. Vous pouvez donner je connais la que, chance. Je connais. Non, non, laissez-moi. Laissez-moi. Un pays souverain. Est-ce que quand il a parlé, vous m'avez vu se comporter comme ça? Je ne peux pas laisser. Est-ce que vous m'avez vu se comporter comme lui? Il a dit. Mais vous dénaturez ça. Enlevez même tout ça. Lorsqu'il dit. Il y a la feuille de route de Luanda, au Bisson Stolan, de la CAB. Accord à Nairobi. Je ne savais pas qu'il y a des invités en face. Ah, voilà. Oh il a parlé. Moi, j'ai entendu. Laissez-moi répondre. Il a dit ceci. Nous étions en train, il était en train de parler sur la question de la sécurité et de la défense. Et il dit là, c'est là qu'il dit que le chef de l'État, Baben Akaye, c'est lui qui a dit. Ce n'est pas moi. Et là, c'est très dangereux. Parce que la question de l'État, la question de la sécurité, de la défense, relève de la souveraineté de la nation. On ne peut même pas appeler, on ne peut pas même s'interférer. Alors, lorsque lui le dit, donc je comprends maintenant le stade auquel le pays se trouve. Parce que la vérité vient d'être dit que sur notre sécurité, la sécurité est tributaire à quelques appels téléphoniques. Et ça, là, c'est ce qu'il a dit. Et là, c'est très dangereux. Et je lui dirais d'aller dire au chef de l'État de ne pas décrocher ce genre d'appel. Ah! Soga moni ba numéro ndenga wana ayambakate. Parce que la sécurité, la défense relève de la souveraineté supérieure de la nation. On ne négocie pas, on ne commande pas cela, on s'impose à cela. Qu'est-ce que je veux dire? Maman Naomi, le problème qui est ici. Nakosé nga chef de l'État, yango lelo nakolaksa mokanda mo na ilango wa na tamboli nango cameraman a permettre nga ko dzwa yango soki ko laksa mape na TV na tamboli na mokanda o boko mo na wa mokanda o yali nini na komeli papa Mopisco Polo le cardinal Ambongo na saisir ye officiellement biso bilenge to sengi na ye azala facilitateur na biso. Na dialogue monene toko benga esalema ya bilenge. OK. Un dialogue inter-congolais seulement des jeunes leaders politiques. Oyo ko sangisa ba chef to ba président ba ligue des jeunes ya tous les partis politiques tendance confondue parce qu'il s'agit de la sécurité avant di sabiso après sabiso centre Saint-Sylvestre et sika histoire ko régler ba problème ebele. To vanda biso loko ba tata loko la ba papa ba yaya na biso ba linko vanda te biso bilenge to la kisete to za na posa ko vanda to meka ko solola juste sur la question
de cette question de l'Est et cette guerre, tu proposes un mémorandum de solution et pas une chef de l'État et pas une institution. Donc, si tu es papa cardinal, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit est-ce que tu as dit que tu as dit que dialogue ya bilenge kaka. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu problème, il y a ces Zalinini. Ce qui est plus dangereux, c'est que par moment, le chef de l'État lui-même, permettez-moi que je puisse le dire, s'est embrouillé sur cette question. Comment tout au départ. Il dit, non, c'est le Rwanda qui m'agresse. D'un moment, non, c'est le... C'est alors le M23. D'un moment, non, c'est les multinationaux. D'un moment, non, c'est Kabila qui est derrière ça. D'un moment, non, c'est la Yala main noire. D'un moment, non, non, on négocie. Non, non, je privilégie la négociation. D'un moment, moindre escalamousse, je vais frapper. Ah. D'un moment, je vais donner l'ordre. Donc, à cette toïboï et dérobade, sur cette question-là, ça a provoqué ce qui est aujourd'hui. Et deuxièmement, tu vas remarquer, je ne sais pas si vous avez fait cette analyse-là, c'est juste le départ de Mbemba que celle-ci, la situation s'est aggravée. Donc, on comprend que Mbemba avait quand même maîtrisé la situation, bien que ça n'évoluait pas, mais la situation était quand même... Hein, stabilisé. Mais au départ de Mbembe au ministère de la Défense, du coup, on attaque. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami qui était à Butembo. Il me dit, maître, ces gens-là, il semblerait qu'ils sont déjà à Butembo parce que lui était en train d'emballer ses bagages. Il me demande de l'envoyer quelque chose pour se déplacer avec sa famille. Donc, on va récupérer Butembo. Goma risquera non, de tomber. J'ai dit ceci, on pourrait. Voilà, j'ai dit au conditionnel. Voilà. Alors, ce que le chef de l'État doit faire, d'abord, cet conseil de sécurité doit se tenir chaque jour. Ça, c'est une proposition. Mm-hmm. En tout cas, chaque jour, 17h, écoute. 17h, écoute. Ça, c'est la première. Deuxième des choses, même quand les situations comme ça arrivent dans chaque pays du monde, le président de la République ne traite pas ça avec tout le monde. Chef de l'État, Landangaï. Il ne peut pas traiter cette question ici avec tous les généraux. Parce que parmi eux, les traîtres seront là, vont relier l'information. Qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Aloukaba généraux, il y a confiance, il y a Yemoko. Oyoba, koko trahir, yete, oyoba koko zala mechte, ayebi bango, c'est un chef de l'État, ayebi ke oyo azali pire ngai, oyo azali pire ngai. Même Mobutu l'a fait avec Mayele. D'un moment, il a dit Mayele yo ali moto nangai. Kabila l'en a fait à un certain moment aussi. Il faut avoir les généraux, tes généraux à toi. C'est ainsi que chaque chef de l'État, quand il arrive, il commence par créer son armée. Créer son armée, c'est créer dans l'armée les gens de ses confiances. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la deuxième proposition. Troisième proposition, le chef de l'État doit privilégier l'intelligence de la nation ici, sur place. Il a cherché la solution à l'étranger par les efforts diplomatiques, ça a échoué. Par les accords, ça a échoué. Au niveau de l'armée, il y a des infiltrations. Même au niveau de la politique, il y a des infiltrations. Lorsque Kazadi détourne beaucoup d'argent comme ça, ça pouvait permettre l'achat des armes. Lorsque l'Engobila détruit aussi la ville de Kinshasa, cet argent qu'on viendra réparer, ça pouvait servir aux efforts de la guerre. Donc, maintenant, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Il doit aussi privilégier les dialogues à l'interne. Que nous-mêmes, peuple congolais, nous puissions aussi lui donner les idées. On ne se mettra jamais sur la table que pour parler, partage des gâteaux. Non, merci. On parle de la question de la sécurité. Martin Fayulu, tu dis quoi? Kabila, tu dis quoi? Moïse, tu dis quoi? Hein? Monsieur Ngalula Kamunga, tu dis quoi? Et toi, celui-ci, c'est qui? Mozito, tu dis quoi? Franck Diongo, tu dis quoi? Beaucoup. Et aussi, décrisper le climat politique. C'est très important, cette situation-là, pour éviter les frustrations des autres. Très bien. Parce que lui était le candidat en 2018 fédérateur. Mais aujourd'hui, il est devenu candidat séparatiste. Il a séparé la nation. C'est le moment de réunir cette force-là. En conclusion, je vais citer par là pour dire que M. Nicolas Kazadi, s'il vous plaît, vous avez déjà échappé tel que vous êtes parti, permettez de nous restituer notre argent. Yoyo Yabana,
Merci. Remettez notre merci argent. Beaucoup, s'il vous plaît, remettez notre merci argent. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission de Kojan. Jean, de Moubenga. De Kojan. Ah non, non, mais comment ça? Non, non, qu'il retire, qu'il dit que je suis journaliste quand même. Ndeko Jean Moubenga Maloba Souka po nayo ndeko le VPM de l'intérieur a pekisi Daniel Bumba pendeko ya okatanga ba s'installer pour ba kotisi ba toko leka ndenge mibeko esengi ba nomé ba secrétaire généraux o esengi mité na kati ya Mobeko Nabiso, un mot de la fin par rapport à cela et s'il y a un conseil européen sa bande ko ba okota na mosala ko loba na bangoni ba gouverneur. Oui, je pense que des filles allées mounene pour Namboka, bangou ba petit président au niveau de la province. Donc, ce sont les représentants du chef de l'État. En principe, c'est lui qui devait les nommer ou les canabilo ba élection. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont déjà là. Ils doivent faire la volonté du chef de l'État pour donner au peuple congolais ce que le peuple attend. Ce sont pas, c'est vrai que ce sont des postes ou des fonctions politiques, mais ils doivent être des pragmatiques, ils doivent travailler, ils doivent rendre leur province habitable pour que cet exode-là, vous voyez, la ville de Kinshasa est saturée. Parce que partout en province, les gouverneurs vivent à Kinshasa. Les 26 gouverneurs là. Vous voyez les véhicules, bah petit bazar dans Zela, bah il ah on a gouverneur à Congo central, ah on a Kasai, on a Nini à Lomami, bah ils sont toujours ici, ils doivent rester chez eux là-bas. Ils doivent, s'ils ne savent pas ce qu'il faut faire en tant que gouverneur, nous sommes là, nous avons une consultance, nous pouvons les aider à voir comment on peut avoir des partenaires, comment on peut. Parce qu'ils pensent toujours que c'est le gouvernement central qui doit envoyer l'argent en province. Or, là-bas, ils ont une personnalité juridique. Ils peuvent créer des sociétés en province, des sociétés provinciales, qui n'ont rien à voir avec les sociétés nationales. Société nationale, c'est pour toute la République. Mais au niveau de la province, ils peuvent faire des grands élevages, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Vous comprenez? Pour revenir, parce que vous m'avez demandé, on est déjà presque à la fin. On pouvait dire beaucoup sur la gestion des provinces. Ils ont tort d'aller au-delà de la loi, nommer beaucoup de gens. Ils sont convoqués ici, c'est pour qu'ils puissent 20 enlever. Membres pour oui, un gouvernement ils doivent enlever tous ces gens-là. Il n'y a pas de super province. Parce que le Haut-Katanga contribue beaucoup et Kinshasa, c'est le numéro 2 dans la fiscalité. Nous, on doit... Non. Eux tous sont des gouverneurs. Ils doivent avoir 10 ministres Maman, non, de convention je vais mettre et c'est ce qui doit mot. Être. Oui, donc je pense que les VPM a pris une bonne décision pour que les choses reviennent à la normale. Nous ne voulons pas donner à l'opposition l'occasion de commencer à parler. Merci beaucoup. Non, Maman Naomi, sur cette question-là, que le vieux arrête de dire que nous donnons l'occasion à l'opposition. C'est le peuple. Non, je l'ai provoqué. C'est le peuple. C'est même pas l'opposition. De par moment, tu veux. Je voulais juste qu'il parle. Merci, gentil quand même. Ce que je veux dire par là, vous savez, je trouve mal qu'un violeur de la loi reproche à un autre violeur de la loi que tu as violé la loi. Comment ça? Je trouve ça très mal. Et ça me gêne et ça gêne la population. Vous comprenez? Lorsque on les reproche... On a déjà fini la lorsqu'on, non, voilà, il me rappelle que tu avais fini aussi. Lorsqu'on reproche à Bumba d'avoir violé la loi, demandez aussi, parce qu'on dit quoi? Ça sera budgétivore. Mais le gouvernement national que le chef de l'État sorti, n'est-il pas budgétivore? Non, mais non. La vérité, c'est ça, merci vous n'aimez beaucoup, pas. N'est-il pas budgétivore? C'est là. Ah, non. Les morts, les morts.